Hello, bonjour, je vais parler du prince Harry, le duc de Sussex. Il y a une nouvelle au sujet du prince qui vient de sortir. En fait, il s'agit d'une nouvelle sur son livre qu'il allait écrire sur ses mémoires. Donc, comme vous le savez, le duc de Sussex va sortir des mémoires sur sa vie. C'était censé sortir en été cette année, mais malheureusement, on vient d'apprendre que ça a été repoussé pour l'année prochaine. Bon, les gens commencent à se demander pourquoi ça a été repoussé. Ils ne peuvent pas prendre une nouvelle juste pour ce qu'elle est. Non, il faut qu'ils analysent, suranalysent et tout ça. Et c'est ridicule. Donc, ils essaient de trouver les raisons pour lesquelles ça aurait pu être repoussé. On dit que oui, le prince Harry ne veut plus faire de dommages à sa famille. Et vous savez, il y a des choses qui ont déjà été écrites. Il y a quelques semaines, il n'y avait rien sur le prince Harry et Meghan Markle, à part bien sûr la photo à Jackson Hole dans le Wyoming, où les gens avaient essayé d'interpréter pourquoi ils étaient là et tout ça. Ici, on a la même chose. Cette nouvelle du livre Prince Harry a donné lieu à des milliers d'articles sur lui, j'abuse un peu, dans la toile de façon internationale comme locale en Angleterre. On dirait qu'ils n'attendaient que ça. En fait, le prince Harry et Meghan Markle font l'argent aux gens. S'il n'y a pas de nouvelles sur eux, certaines personnes ne vont pas faire de l'argent. Je parle par exemple d'Angela Levin, de Piers Morgan ou d'autres personnes qui sont célèbres à travers leur décryptage de la vie de ce couple-là. C'est triste pour eux parce que sans Meghan Markle, le prince Harry, ils ne font pas d'argent. Ils sont des esclaves de Meghan Markle, le prince Harry. Non, on aurait pu dire que ce sont les fans de Meghan Markle, le prince Harry, qui sont après les nouvelles du prince Harry et Meghan Markle. Mais ici, ce n'est pas le cas. Ce sont les trolls et les haters qui glanent Internet, fouillent Internet pour trouver une vidéo sur lesquels commenter, parler, donner leurs commentaires ou alors extirper des informations pour faire des vidéos. Bon, vous me direz que moi aussi, je fais des vidéos sur le couple. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. Je fais des vidéos sur le couple parce que j'aime le couple. Donc, il est tout à fait normal que je puisse en faire. Par contre, ceux qui n'aiment pas le couple mais qui ne se gênent pas d'écrire sur eux, de parler d'eux à tout moment, même quand il ne s'agit pas du prince Harry ou de Meghan Markle, par exemple, lorsque Kate Middleton et le prince Billy Bob, je l'appelle Billy Bob à la tête rasée, se sont présentés à Wimbledon, ben, tout le monde parlait de qui? De Meghan Markle et du prince Harry. C'est un sujet bien ridicule, mais ça me fait rigoler à chaque fois. Ben voilà, on attendra, nous les fans qui étions impatients de lire ça, attendrons patiemment que notre duc préféré les sorte. Donc voilà, dites-moi ce que vous en pensez. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin d'être averti lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci.